Nous sommes devenus parents, grands-parents, même arrière-grands-parents. La plupart d'entre nous ont disparu. Bientôt s'éteindra cette génération qui ne devait pas survivre. Le temps viendra aussi où ceux qui nous ont interrogés de vive voix disparaîtront à leur tour. Les livres seront alors les seuls dépositaires de nos mémoires. Ce n'est pas l'information qui fera défaut, mais le contact unique, irremplaçable, bouleversant, de celui qui dit « J'y étais, et cela fut ». Lilou, Jean-Denis, on rentre maintenant, les enfants. Tu vas te faire mal aux yeux, Simone. C'est pour ça que j'ai posé le dictionnaire. Simone, on l'a dit au lit. Les enfants, vous allez vous coucher. Non ! Je vais encore lire. Tu liras dans la chambre. Il n'y a pas plus de 10 minutes, d'accord ? Mais non, c'est toujours moi. Je vais rejoindre Milou. Attendez-moi, c'est pas juste. Tu gâtes trop, Simone. Elle fait ce qu'elle veut. Elle impose à toute la famille ses volontés. Elle va devenir insupportable si tu continues comme ça. J'ai grandi dans une famille heureuse. Nous vivions à Nice, mais nous passions nos vacances d'été à La Ciotat, dans la maison que mon père avait construite en bord de mer. Comme toutes les familles juives assimilées de cette époque, celle de mon père était profondément patriote. La laïcité était notre bien commun. Quand le destin brouilla les pistes, rien ne put ébranler la foi que mon père avait dans la République française. Il pensait que la République ne nous abandonnerait jamais. Résister. Si ce sont les conseillers techniques qui commandent, tant mieux. Alors, c'est pas la peine. Mettons les seuls, ils prendront les décisions. Non, c'est justement un problème fondamental de savoir comment on considère la fonction maternelle. Si on considère que la fonction maternelle est une fonction comme celle d'aller planter des choux, il faut le dire, mais on ne dit pas que l'on veut faire une politique familiale. Certainement. Mais nous n'aurons ni l'Église, ni le Conseil de l'Ordre des médecins de notre côté. Il nous reste 10 jours avant de présenter le projet à l'Assemblée et nous risquons de ne pas avoir la majorité. Oui, je sais, déjà nous avons 200 voix acquises à gauche. Il nous reste 90 députés à convaincre dans notre propre majorité, c'est quand même le comble. Antoine va parler aux députés, il doit encore convaincre Claudius Petit. Les catholiques comme lui seront déterminants. Je sais. Bon, le débat va être télévisé, en direct. Rédigeons le discours de présentation. J'ai déjà fait, j'ai rédigé l'introduction. Ah bon ? Mais nous devions le rédiger ensemble. Vous pouvez tirer un peu le rideau, Colette, s'il vous plaît ? Bien sûr, Madame la ministre. Si j'interviens aujourd'hui à cette tribune, ministre de la Santé, femme et non parlementaire, pour proposer aux élus de la nation une profonde modification de la législation sur l'avortement, croyez bien que c'est avec un profond sentiment d'humilité. Mais c'est aussi avec la plus grande conviction que je défendrai un projet qui a pour objet de mettre fin à une situation de désordre et d'injustice
L'urgence, c'est l'avortement. Interdit et passible de la cour d'assises depuis la loi de 1920. Madame Veil, comment allez-vous défendre ce projet de loi? Après le vote de la loi de Wirth, les propos qui ont été tenus par certains, surtout au Sénat d'ailleurs, ont été très durs. Certains disaient que les femmes devenaient des putains. En fait, je pense que les hommes accepteront beaucoup plus facilement l'avortement que la contraception. Parce que la contraception, c'est la liberté de la femme. L'idée que les femmes décident d'avoir ou de ne pas avoir un enfant, c'est pour les hommes insupportable. Si nous légalisons aujourd'hui l'avortement, on nous demandera demain de légaliser les mariages homosexuels. Oui, bien sûr. Ah, très bien. Oui, ça va. Pour les esprits faibles, c'est un encouragement à la prostitution. Ce n'est plus moi. On ne pouvait pas dire ce genre de choses. Je ne sais pas. Est-ce que tu veux quelque chose? J'espère que c'est très important pour moi. Est-ce que tu peux? On est concentré. Il va tenir jusqu'au bout, monsieur le Premier ministre. Vous êtes un attaché parlementaire et vous connaissez mon opinion sur ces trucs de bonnes femmes qui deviennent des débats nationaux. Mais le président et moi-même sommes avec Madame Veil. Je la soutiens, soyez-en sûr. Il nous faut convaincre notre propre camp en priorité. Nous ne pouvons pas accepter que seule la gauche vote notre loi. Il faut parler à chacun de nos députés, un par un. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame.